Panchinaro ed è il 3-2. Ancora Maniero ed è il 3-3 nello spazio di pochissimi secondi. Deux crochets intérieurs, un crochet extérieur et au bout de l'exploit laissé. Via couvre le score pour le Sporting en visite à Salgueiros. Salgueiros qui n'est autre que le deuxième club de la région de Porto. 4 minutes plus tard, soit au quart d'heure, réplique des rouges de Salgueiros par le local Joni, bien lancé en profondeur. Encore mieux, beaucoup mieux, ce coup franc très subtil de l'international bulgare Balakov, le meneur de jeu du Sporting. Deuxième mi-temps, le score 1-2 pour le Sporting qui va encore l'alourdir par le blond Jurkoviak après un envoi très violent d'un défenseur sur la transversale. Enfin, le score final, 2-3 par Fernando Almeida sur penalty. Le Sporting est co-leader du championnat avec le FC Porto. En Suisse, Xamax Neuchâtel, Servette de Genève. Tous les buts en deuxième période, le premier pour le Servette par Juarez. Le deuxième, toujours inscrit par le même joueur, mais contre son camp et au bénéfice de Neuchâtel. Un réflexe malheureux. Neuchâtel qui prend l'avance à 2-1 sur un pénalty transformé par le vieux roumain Lajos Détari. La cause n'en est pas illustrée. Au contraire de celle-ci, une faute pas vraiment éblouissante qui permet au Servette de revenir à 2-2 par Djurovski. Tout cela avant que Neuchâtel ne prenne définitivement le large grâce au meilleur but de la rencontre, inscrit à la retourne par Aleksandrov pour faire 3-2. Répétition de ce geste devenu classique, mais très proprement exécuté. Le quatrième but est le plus original. Tout le Servette est à l'attaque. La balle parvient à Détari. Il va parvenir à Détari dans son camp. Détari qui se retrouvera dans l'exacte situation d'un joueur de soccer américain sur le point de transformer un pénalty avec le gardien adverse venu à sa rencontre. Score final 4-2 pour Neuchâtel. Le championnat d'Espagne que nous ouvrons cette édition d'Eurogoals pour la cinquième journée.